Ravi de vous retrouver. La conscience est l'un des plus grands mystères irrésolus de notre époque. Bien qu'on ait appris beaucoup sur le cerveau, on n'a toujours pas de théorie complète sur la conscience. À ce jour, la science s'est montrée incapable d'expliquer comment une expérience subjective peut surgir de matière inanimée. Le philosophe et scientifique cognitif David Chalmers appelle cela le problème complexe de la conscience, qu'il oppose au problème simple qu'est l'identification des processus physiques dans le cerveau. Bien que l'origine de la conscience reste un mystère, la méditation nous permet d'enquêter sur la nature de la conscience en direct. En devenant plus conscient, on développe un plus grand sentiment de clarté et de conscience des contenus et des mécanismes de notre esprit, ce qui mène à un état d'esprit plus sain et plus paisible. Commençons la séance. Trouvez une position confortable et commencez par respirer profondément. Engagez-vous à mettre de côté tout souci ou toute responsabilité du quotidien. Vous n'avez besoin de penser à rien pour les quelques minutes à venir. Remarquez votre souffle avec l'expansion et la contraction des poumons. Si vous vous trouvez distrait par des pensées, revenez simplement au souffle en douceur. Observez clairement les sensations de chaque respiration qui entre et sort de votre corps. Pour la fin de la séance d'aujourd'hui, relâchez votre attention et contentez-vous d'observer toute sensation qui surgit. Ok, vous pouvez ouvrir les yeux. Bravo de continuer à développer votre pratique de la méditation. Le véritable but de la méditation est d'examiner la conscience et de découvrir comment des choses comme les pensées, les sentiments et les sensations y apparaissent. En devenant plus conscient, on peut développer une plus grande conscience de la manière dont les contenus de l'esprit s'unissent pour former notre vision du monde. Et cela peut réellement changer notre point de vue. À bientôt pour une autre séance.